Je suis Julien Caille, GAEC d'Urtevent à Clary dans le Nord. Donc GAEC, trois associés plus un salarié. L'exploitation comporte une superficie de 310 hectares avec un troupeau de 180 vaches à 10 400 de moyenne et nous sommes adhérents à la charte depuis 2013. Donc l'objectif était de maintenir le taux cellulaire dans le troupeau, étant donné que nous avons un système en air paillé, en lot unique. L'objectif était vraiment de garder un bon taux cellulaire pour garder notre qualité du lait, étant donné que le système paillé est un système sensible en taux cellulaire. Au départ, on voulait garder notre bâtiment air paillé. La solution qui paraissait la plus efficace était l'index cellule des taureaux. Aujourd'hui, on est assez sévère sur le choix de taureaux. Donc, ça veut dire qu'on n'utilise aucun taureau en dessous d'un index de 1,5. Donc l'objectif de garder la qualité du lait a été atteint et donc nous avons réussi à garder notre prime qualité du lait. Alors l'impact économique n'est pas négligeable parce que nous sommes inférieurs à 250 000 à l'année. Pour notre laiterie, nous touchons 3,10 € les 1000 litres, ce qui représente pour un troupeau comme le nôtre un gain de 5 700 € à l'année. L'index femelle en 2011 était de 0,35. Grâce à l'utilisation de taureaux améliorateurs en cellules, nous sommes passés aujourd'hui en 2016 à 0,52. Ces dernières années, nous avons utilisé des taureaux comme Famous Man, Greg Capji, Imola, Iberic EBA, Cranium et Hypnos. On est satisfait des résultats en cellules puisque sur 10 ans nous avons augmenté notre cheptel d'environ 20% sans modification du bâtiment.